J'espère qu'ils vont préparer énormément de bacon parce qu'on a des gros amateurs. Allô la gang, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un tout nouveau vlog. On est mercredi le 7 septembre 2022, mais à dire 2019. Écoutez, ça va bien mon affaire. Il est 9h13 le matin. J'étais en congé aujourd'hui, puis Aurélie, elle est à la garderie. Je viens de faire un live sur mon groupe Épicure VIP. Et je ne sais plus où j'ai mis mon enveloppe. C'est ce que j'ai fait ce matin. Cupcake, tentation chocolatée, c'est la première fois qu'on va l'essayer. J'avais dit à mon père, puis à mon chum et à mon père qui était, que j'étais pour en faire aujourd'hui. Que je suis en congé, donc voilà. J'envoie quand même Aurélie à la garderie parce que bon, je sais déjà d'avance qu'elle a beaucoup de plaisir là-bas. Puis c'est important pour nous, pour son cheminement éducatif aussi. Son cheminement social, qu'elle voit d'autres enfants. Puis aussi dit dans quelques années, voilà, à l'école. Puis quand je vais avoir des journées de congé dans la semaine, mais tu sais, je ne ferai pas manquer de l'école parce que je suis en congé. Fait que voilà, ça, c'est sa troisième semaine à la garderie. Ouais, c'est sa troisième semaine à la garderie. La première semaine, elle a juste pu y aller trois jours parce qu'elle a eu l'herpangine qui est comme le pied, main et bouche. Sauf qu'à place d'avoir des picots sur les mains, sur les pieds, dans la bouche, elle n'en avait seulement que dans la bouche. Puis ça créait beaucoup de douleur. Puis surtout lorsqu'elle mangeait, buvait, etc. Lorsqu'elle avalait sa salive aussi. Puis ça lui a fait faire beaucoup de température, au moins les premiers 24 heures. Fait que le jeudi, j'avais... mentionnant son éducatrice que je n'étais pas pour l'envoyer à la garderie. Puis le vendredi, elle n'y a pas été non plus. Donc le jeudi, j'étais à l'hôpital avec. Puis le vendredi, bon, elle restait à la maison. Puis après ça, ben écoutez, le vendredi, fin avant midi, la fièvre, elle avait tombé, mais la douleur était encore là. Donc on alternait le Tylenol Advil pour lui donner des trucs froids à manger, puis des choses qu'elle aime aussi pour éviter qu'elle se déshydrate et tout ça. Mais à date, ça va super bien à la garderie. Elle a beaucoup de plaisir le soir, elle revient et bonne humeur. C'est sûr que le soir, elle est un petit peu plus fatiguée. Comme hier, on l'a couché, on la couche habituellement vers 8h, 8h30. Là. Mais hier, à 7h15, après son wipe, tout ça était brûlé. Fait que on l'a couché plus tôt pour éviter qu'elle refasse un cycle, qu'elle est fatiguée, puis qu'elle combatte son sommeil. Donc, dès les premiers signes de fatigue, on a été la coucher. Et bon, après ça, on écoutait un petit film et tout ça. J'ai réussi à me qualifier finalement au mois d'août dans Épicure. Je suis vraiment contente parce que sinon, il aurait fallu, mettons, que je re-repaie ma trousse. Puis que je recommence comme vraiment plus tard. Là, j'aurais pas pu tout de suite me réembarquer. Puis c'est un... dû à une erreur un peu nounou aussi du mois de juin. Je vous explique qu'il y avait une promotion, bon, des trucs à 20% de rabais. Puis moi, j'étais certaine que ça terminait le 31 mai, cette promotion-là, mais finalement, ça terminait le 15 juin. Donc, j'avais fait ma commande le 31 mai, n'ayant pas été revérifiée que, dans le fond, que la promotion terminait plus tard. Fait que, tu sais, j'aurais pu rentrer ma commande juste le lendemain, dans le fond. Donc, je me serais qualifiée pour le mois de juillet. Au mois de juillet, ça a été relativement très tranquille. Puis, je me suis qualifiée, écoutez, au mois d'août, je me suis qualifiée le 31 août. Genre, vraiment à la limite. Là, donc, j'ai un atelier en virtuel le 17 septembre. Un atelier culinaire, pas pour une nouvelle conseillère, mais quelqu'un qui voulait faire un atelier. Qui aime déjà beaucoup les produits Épicure. Donc,
Puis je pense que sur notre 3, je les connais déjà. Donc, je suis convaincue, là. Je croise vraiment les doigts fort, fort pour que l'atelier se déroule bien. Je vais la faire en virtuel parce que la personne reste plutôt loin de chez nous. Fait que je pourrais comme plus ou moins me déplacer. Et puis, là, je fais un vlog aujourd'hui. Je vais vlogger aujourd'hui. Je vais peut-être combiner aujourd'hui demain aussi, puis faire le montage vendredi. Ça va dépendre du contenu que je vais avoir aujourd'hui. Parce que là, ça fait quasiment un mois que j'ai rien mis sur la chaîne. Ça allait comme tout débouler vite, on dirait, les dernières semaines. Puis, tu sais, il y a des journées que je passais, mettons, vloguer ou peu importe. Puis là, je me disais, oh, j'ai plus ou moins de choses comme à raconter. Fait que j'aimais mieux, finalement, tu sais, qu'Aurélie a déjà commencé à la garderie, si vous parlez de son développement. Elle marche à quatre pattes. Elle veut grimper sur toutes les meubles de la maison. Puis, elle dort dans sa chambre, ça je vous l'avais déjà dit. Puis là, elle a commencé à faire des babayes, elle danse comme elle se fait, elle se branle comme ça. Là. Elle branle un peu ses poufounes. Elle est vraiment drôle. Elle a un nouveau siège d'auto, écoutez. Ouais, on a été chercher un nouveau siège d'auto. Son habit d'hiver, il est acheté. Son manteau d'automne, il est acheté. Puis, on a été chercher des petits souliers aussi. Fait que, à date, c'est pas mal ça, les développements pour Mademoiselle Aurélie. Elle a eu 10 mois vendredi passé. Comme, c'est un an, approche vraiment vite. On est en train de planifier sa fête de ses 1 an. C'est sûr que la journée de sa fête, donc le 2 novembre, là, on va comme faire une petite fête à la maison. Comme ça, puis on va quand même souligner son anniversaire. Puis le samedi le 5, ben là, ça va être un plus gros party avec de la famille. Donc, il y a de la famille du bord à mon chum, de la famille de mon bord à moi. On va faire ça dans une salle à Saint-Gérard-des-Laurentides. Et je vous dirai pas l'adresse, puis tout ça, parce que bon, le reste de ces données-là, je pense pas que vous avez besoin de le savoir. Puis voilà. La location de la salle, dans le fond, on va avoir les clés la veille, donc le 4. On va donner les sous, puis après ça, ben c'est ça. Fait qu'au moins, tu sais, vu qu'on va avoir la veille, la salle, déjà au moins les clés, ça va déjà nous permettre, là, tu sais, en réalité, les gens qui, après ça, qui ont besoin de la salle doivent la laver, tout ça. Mais on veut juste vraiment s'assurer déjà de la laver, puis si on est capable de faire déjà des petites choses dedans. Placer déjà des petites choses ou amener des choses pour la déco et tout, ben au moins ça va être ça. C'est le thème Minnie Mouse pour sa fête parce qu'elle aime beaucoup Mickey puis Minnie. Fait que ça va être le thème de son anniversaire pour cette année. Après ça, j'aimerais ça recommencer à m'entraîner plus sérieusement aussi à partir de cette semaine. Je vais probablement faire un petit training cet après-midi. Demain, je suis en congé aussi. Demain matin, je monte à Trois-Rivières. J'ai un rendez-vous avec mon neurologue. Ça a fait 2 ans, là, le 1er septembre, que je prenais mon Keppra, dans le fond, mon antiépileptique. Fait que j'ai un suivi avec lui. Après ça, ben c'est ça. C'est une de mes amies qui vient avec moi. Fait qu'on va aller dîner ensemble. On reste aller faire un petit tour au Starbucks. Puis voilà. Là, cet après-midi, je vais passer balayeusement partout. Je vais faire un gros début de ménage dans notre chambre. Fait qu'à date, ça rime pas mal à ça, ma journée. Puis, je vais regarder aussi, là, plus tard ce soir, quand il va dormir, ou demain, quand est-ce que... pas quand est-ce que, Seigneur. Je me rappelle plus qu'est-ce que je m'en allais dire. Ah oh oui, je vais regarder pour un nouveau le chef de montage. Qu'à la place de le faire avec mon téléphone, je le ferai tout simplement avec mon ordinateur. Parce que là, j'ai iMovie dans mon téléphone. Donc, c'est avec ça que je fais mon montage. Mais j'aimerais ça le faire à partir de mon ordi. Parce que ce serait tout simplement plus simple comme ça, je pense. J'en ai vu un chez Best Buy à 80$. Puis, c'est pour tout le temps, c'est pas annuel. Fait que je vais regarder selon nos sous aussi. Fait que voilà. Là-dessus, la gang, je vais continuer à boire mon café glacé. Je vais mettre mes cupcakes au four. Puis le ménage va commencer. À plus!
mais je voulais quand même en parler ici. Vu que ça avait comme un petit lien. Moi, je ne fais pas d'allure. Parce que là, Devine qui fait pas d'allure, mais ça On a une toute officier. Et une mimette là. Ça commence à sentir bon dans la maison. Je suis en train de passer la mop partout. La balayeuse est passée dans notre chambre, dans le salon, la salle de bain, de la cuisine. Je suis en train de passer la mop. Il me reste la cuisine. La salle de bain à faire. Il va me rester à cleaner mes comptoirs. Puis après ça, une bonne partie du ménage d'aujourd'hui va être fait. Je vais aller voir des poubelles, de la récup, aller porter en bas aussi. Puis vers 1h, 1h30, ma bonne amie Ellie va venir me chercher. Elle a un papier à aller porter à Chaoui au bureau des passeports. Puis après ça, on va aller dîner ensemble. Fait que. Voilà la toute petite gang, on se reparle plus tard, puis mes cupcakes sont glacés. Ça, je vais les mettre au frigo tout de suite ou dans l'eau froide, là. Je suis en train de faire des juste du bœuf haché pour souper, pour faire des hamburger steak, peut-être du pain de viande, c'est super bon. Genre, je pense que je vais faire du pain de viande en petite boulette, genre, puis je vais mettre du fromage dedans. En tout cas, je vais voir ça ou peut-être du ragoût aussi. On va voir ça. Fait que, on continue le ménage. Tu tournes ça au garage après? Parce qu'il faudrait me faire imprimer. Qu'est-ce que tu fais, Toti? Qu'est-ce que tu fais, bébé? Bonjour tout le monde, bienvenue dans la suite de ce vlog. On est rendu jeudi le 8 septembre 2022, il est 8h moins quart. Je vais prête à m'habiller, puis je vais boire du café, mais sur la route ce matin. Récemment, je me fais un grand café glacé, puis je risque de manger après mon rendez-vous. J'ai pas besoin d'être à jeun, rien là, mais voilà. Là, Auré est partie à la garderie. Et on a avisé son éducatrice qu'il faut alors qu'elle le désolé s'il y a un bout qui s'en vient dégueulasse ou ce qu'il prime. Qu'elle vérifie ses selles parce que hier elle a pas voulu faire caca à la garderie. Puis comme là ça avait l'air à y faire mal le matin. Puis là hier soir mon chum lui a donné la purée avec du pruneau dedans. Puis j'en ai redonné ce matin. Puis on lui a donné des céréales pour déjeuner comme à tous les matins. Qui sont multigrains, là. Avec un goût de fruit dedans. Tout off! Puis après ça, ouais, elle a fait comme une mini-selle. Mais ça avait de l'air comme moyennement dur. Puis tu sais, ça lui faisait mal quand elle faisait caca, là. Fait que, tu sais, une manie, c'est pas le temps normal non plus. Puis faire vérifier s'il y a d'autres choses aussi. Puis, je vais aller chercher du laxadé tantôt. Puis. Voilà. Ça date, c'est ça, mon matin. En soi, mon chum a été remplacé une game de deck. Quand on était là. On a mangé du pain de viande pour se préparer. Bref, vous avez
pas mal tout vu ça. Puis c'était super bon. Au sushi taxi, hier, j'ai mangé. Je vais vous mettre la photo juste ici, là. J'ai mangé un tartare de saumon, l'entrée de tartare de saumon, puis des ozumaki à l'avocat. C'est ça que j'ai mangé. Puis voilà. J'espère qu'Aurélie, ça va aller mieux aujourd'hui pour ses caca, là. Pauvre petite, parce qu'elle a de l'air constipée, là. Je vois que ça passe pas, ben on va lui donner du laxadoï. On n'abusera pas, vous n'avez pas à vous inquiéter, mais voilà. Puis si je mets ça en même temps, là, c'est parce qu'elle fait caca puis que ça lui fait mal, elle doit se retenir, tu sais. Fait que je sais pas comment caca qu'elle a dans de poignée, tu sais. Fait que là-dessus, je vais me faire un petit café pour la route, un petit café glacé. Je vais m'habiller puis je vais me préparer pour mon rendez-vous. Fait que je vous rejasse plus tard. Rebonjour tout le monde. Ça fait un petit peu qu'on s'est parlé. Et je suis revenue à la maison, ça fait à peu près 45 minutes. Et il est rendu dans les 2 heures et quelque chose. Et mon rendez-vous, ça l'a super bien été. Tout est encore super beau. Ma médication, comme je dis, ça fait 2 ans que je le prends, puis ça fonctionne encore super gros. Je vais revoir mon neuro dans un an. Puis, il m'a dit que par contre, s'il y avait une urgence peu importante avant, ben, d'appeler pour prendre rendez-vous. Puis, voilà. Là, il m'a redonné mon prescription que je vais porter aux gens coutus dès que je vais y retourner. Pipi. À date, c'est ça. Là, on a été manger le frier après. On était au Walmart. On est au bureau de poste. Mon amie, elle était porter des trucs pour son cours. Il commence au mois d'octobre. Fait que c'est pas mal ce qu'on a fait. Puis on a été au Starbucks aussi. Fait que c'est vraiment bon ce que j'ai mangé. J'ai mangé. Vous allez voir. De toute façon, j'ai mangé un mac and cheese déjeuner. J'ai mis œuf miroir. Ben là, j'ai pris un œuf miroir. La protéine, j'ai pris du smoked meat. Puis il y a du fromage en crêpe, des échalotes. Sérieux, gang, mais c'est tellement bon, ça n'a aucun sens. Il m'en reste la moitié. Parce que c'est quand même des bonnes assiettes là-bas. Fait que je l'ai apporté en take-out. Là. J'ai déjà tout mangé là. Fait que quand je me reste comme quelques morceaux de smoked meat, puis genre le mac and cheese. Fait que ça va être bien correct de le faire chauffer. J'ai bu un smoothie aussi. C'était un ananas. Mangue, puis épinard, je pense. Quelque chose au même. Puis c'était vraiment bon. Ah, c'est pas mal ça. On va manger le 2 pour souper. Fait que ça va être un souper quand même relativement assez bon. Peut-être pas nécessairement pour la santé, mais j'ai rien de déjeuner. Puis il n'y a pas grand temps pour faire des jus de la viande de toute façon. Puis il fait quand même assez chaud aussi. Fait que ça va être un repas quand même correct. Je vais me faire des petits crédits avec ça, puis ça va être bien parfait. Okay, là-dessus. Je continue d'écouter les gros. En attendant que ma cocotte arrive. Puis j'ai déjà pas mal de lavage d'avancée, fait que j'ai pas en faire vraiment aujourd'hui. Fait que voilà, on se rejette. Mademoiselle Touti est arrivée. T'es belle. J'étais comme, oh my god, j'ai pas du bail encore, je m'en vais une demi-heure. Tout est à bord de son navire.